Bonjour chers élèves, donc voilà la suite des corrigés du circuit RL des examens de baccalauréat depuis 2008. Donc je suis maintenant à la troisième partie, donc c'est la troisième vidéo que je propose sur le circuit RL. Et dans cette vidéo, je vais traiter les examens 2015-2016. Pourquoi je vais réunir ces deux examens dans une seule vidéo? Vous allez voir, parce que dans ces années-là, on a proposé pratiquement le même sujet. La seule différence, c'est que dans 2015, on va travailler avec un générateur de tension idéal, et dans 2016, on va travailler avec un générateur de tension réel. Et vous allez comprendre c'est quoi la différence entre un générateur de tension réel et un générateur de tension idéal ou parfait. Donc voilà l'énoncé du sujet 2015. Comme d'habitude, bien sûr, l'énoncé, vous pouvez la télécharger sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc là, on va traiter, on vous donne un générateur de tension. On va voir que c'est un générateur idéal. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas de résistance interne. Entre les bornes NP, la résistance, elle est nulle. On vous donne la valeur de grand R, toujours surligner les données essentielles. Résistance, bobine de résistance petit R, donc c'est une bobine réelle, et la force électromotrice du générateur CE. À T égale à 0, on ferme l'interrupteur à l'aide d'un oscilloscope, on visualise la tension U de R aux bornes de R, d'accord, et UPN aux bornes du générateur. Donc c'est la première fois qu'on va visualiser en même temps la tension aux bornes de la résistance et aux tensions du générateur. Faites attention. Donc souvent, on a visualisé la tension aux bornes de U de R et aux bornes de U de L, ou bien I de R, ou bien le courant. Ah, là, l'oscilloscope va nous permettre d'observer en même temps la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes du générateur. Bien, question classique, recopier le schéma et représenter ces tensions-là en convention récepteur toujours. Utiliser la courbe représentée sur la figure 2 et déterminer la force électromotrice, la constante du temps et la résistance interne de la bobine. Donc voilà la courbe qu'on vous propose. Et vérifier que l'inductance de la bobine est égale à 0,2. Voilà. Bien. Commençons donc par la première question. Représenter la tension U de R en utilisant la convention récepteur. Comme j'ai dit souvent, la première chose avant de représenter les tensions, indiquer le sens du courant. Donc le courant, je répète, il suit la flèche de la tension du générateur. Cette flèche, ça signifie, voilà la borne négative, et c'est là où là, vous avez la borne positive. Et donc le courant, il sort de cette borne-là. Donc il va circuler dans le circuit suivant ce sens-là. Donc, en convention récepteur, ça veut dire le courant, une fois qu'il arrive vers la résistance, voilà le sens du courant. Et donc, il faut mettre la flèche dans le sens inverse au courant. C'est ce qu'on appelle la convention récepteur. Bien. Maintenant, on va dans cette courbe-là et on vous dit de déterminer la force électromotrice du générateur, la constante du temps et la résistance interne du générateur. Donc, première chose, il faut associer ces courbes aux tensions. Laquelle représente la tension aux bornes du générateur, laquelle représente la tension aux bornes de la résistance. Comme je vous ai dit, toujours, pour faire cette attribution, il faut toujours penser à T égale à 0. Bon, là c'est clair, parce que la tension aux bornes du générateur, c'est une constante, c'est E. Donc vous n'allez pas vous tromper tout de suite. Ça, c'est la tension au bord du générateur. D'accord? Donc il suffit de dire que la tension au bord du générateur est égale à E. Donc la courbe où la tension est constante, c'est celle que représente UPN. Et bien sûr, l'autre va représenter la tension au bord de résistance. Bien. Puisque E est constante, donc d'après la courbe, on déduit que E égale à 10 volts. Donc voilà, à partir de cette courbe, on a déterminé la force électromotrice. Maintenant, la constante du temps. Donc là, comme je dis toujours, on ne vous donne pas, la tangente n'est pas tracée.
Donc, il faut éviter d'utiliser la méthode détangente à l'origine, surtout pas. Donc là, le plus simple, c'est de calculer la tension au bord de la résistance à T est égal à taux. Or, si T est égal à taux, la tension au bord de la résistance est égale à 0,63, sa valeur maximale. Donc là, faites attention, sa valeur maximale n'est pas égale à 10. Donc faites très attention, c'est pas la même chose. La valeur maximale de la tension de là au bord de R, c'est celle-là. Et cette valeur-là, vous voyez ici, c'est 9. Donc vous avez 5, 6, 7, 8, 9. 9. D'accord? Donc vous faites 0,63 fois 9 et ça donne 5,67 volts. Donc je vais vers la courbe et je cherche 5,67 volts. Bon, je les mets sur une courbe plus détaillé, voilà, vous trouvez ici 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pratiquement 5,7. Vous faites l'intersection avec la courbe, la projection sur l'axe des x, et vous voyez bien que t égale à 2 millisecondes. Donc je reviens, donc taux égale à 2 millisecondes. D'accord? Maintenant, on veut déterminer la résistance interne du générateur. J'ai déjà expliqué cette méthode-là. Pour déterminer la résistance interne, toujours penser au courant dans les régimes permanents. Donc, pour déterminer le courant dans le régime permanent, on va utiliser bien sûr la tension au bord de la résistance. Donc en régime permanent, la tension au bord de la résistance est égale à quoi? Est égale à R fois IP, la loi d'Ohm. D'accord? Ici, celle-là, cette tension-là au bord de la résistance, c'est égal à R fois le courant qui traverse la résistance. En régime permanent, le courant est constant. En régime permanent, le courant, on va l'appeler I indice P, ça veut dire I permanent. Donc, vous avez U de R est égal à R fois I permanent. Je fais l'application numérique. On vous donne des valeurs pour faire le calcul 100. Vous n'avez pas besoin de calculatrice. 9 sur 90, c'est un dixième. Ça veut dire le courant qui circule, c'est 0,1 ampère. Ou bien 100 milliampères. Bien. Maintenant, on va déterminer petit r. Donc, puisqu'on connaît le courant de l'origine permanent, on va utiliser maintenant la tension en borne du générateur UPN. Donc, je reviens ici. Cette tension-là, cette tension, voilà la tension en borne du générateur UPN. Donc, d'une part, est égal à E, mais c'est égal aussi à cette tension-là. Or, en régime permanent, la bobine se comporte comme une résistance. Donc, en régime permanent, vous avez E est égal à grand R plus petit r fois le courant permanent. Je répète, donc vous avez la tension au bord du générateur est égal à quoi? Vous faites la somme des flèches qui circulent dans un sens est égal à la somme des flèches qui circulent dans le sens opposé. Ou bien, la tension au bord du générateur va se partager entre la tension au bord de la résistance plus la tension au bord de la bobine. En régime permanent, la bobine se comporte comme une simple résistance. Donc vous allez avoir E est égal à grand R plus petit r fois IP. Donc voilà, E est égal à grand R plus petit r fois I permanent. Donc dans le cas du régime permanent, T de I sur D de T est égal à 0. Donc, la bobine se comporte comme une simple résistance. Et donc, on peut déduire facilement, petit r est égal à E sur IP. Donc, je divise par IP des deux côtés. Je simplifie ici par IP. Il me reste grand R plus petit r est égal à E sur I permanent. Je ramène R de l'autre côté. Et donc, petit r est égal à E sur I permanent moins grand R. Donc, on fait l'application numérique. 0,1, 10 divisé par 0,1, c'est 100, moins 90, ça vous donne 10 ohms. Question suivante, déterminer la valeur de L. Bien sûr, toujours, quand on vous demande de déterminer L, il faut penser à la constante du temps. Or, taux, c'est L sur grand R plus petit r, donc L est égal à taux, facteur de grand R plus petit r. Seule chose, faites très attention aux unités. Vous perdez beaucoup de temps, beaucoup de notes en oubliant la transformation de millisecondes en secondes et surtout aussi en oubliant les unités des grandeurs physiques. Donc L, il ne faut pas écrire E égale à 0,2,
Non, il faut mettre l'unité en henri. D'accord? Bien. Donc voilà pour l'examen 2015. Vous voyez, très classique. On a seule chose, on n'a pas travaillé avec la tension au bord de la résistance et la tension au bord de la bobine, mais on a travaillé avec la tension au bord de la résistance et la tension au bord du générateur. Et notez bien, cette tension, elle est constante. Et l'année suivante, c'est-à-dire en 2016, vous allez voir, on a changé. Seule chose qu'on a fait, on a ajouté une résistance ici. C'est le même sujet, sauf que au lieu d'avoir un générateur idéal, on va avoir un générateur réel qui possède une résistance interne. Et on va voir la différence. Donc mémoriser cette courbe et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir lorsqu'on a un générateur réel. Donc voilà l'examen de 2016, session de rattrapage. Donc on vous dit, Faraday a découvert le phénomène d'induction électromagnétique. Ce phénomène a permis d'expliquer le comportement de la bobine lorsqu'elle est parcourue par un courant variable. Donc en fait, Monsieur Faraday, c'est vraiment un pionnier de la physique parce que c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir le phénomène d'induction. Et je vous explique brièvement ce que c'est que le phénomène d'induction. C'est on peut induire un courant par variation de flux de champ magnétique. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un générateur. Il suffit d'avoir une bobine qui est parcourue par exemple par un courant variable et vous pouvez créer de l'électricité grâce à ce phénomène-là. Et c'est grâce à l'induction qu'on a pu construire des transformateurs et donc on peut transporter de l'énergie électrique. Et c'est une date très très importante dans la physique, c'est ce phénomène-là. Bien, cet exercice donc a pour but d'étudier le passage d'un courant dans un circuit RL et dans la deuxième partie, bon, on ne va pas la traiter, j'ai déjà traité la modulation dans d'autres vidéos. Donc on va se concentrer sur le circuit RL. Donc on vous donne deux conducteurs obliques de résistance petit R, donc celui-là de résistance inconnue, et grand R égal à 40. Une bobine de résistance négligeable et un générateur de tension de force électromotrice 12 volts. Un interrupteur. En fait, tout ça, on peut le représenter par un seul générateur réel, c'est-à-dire il possède une force électromotrice et une résistance interne. Donc vous voyez, en 2015, vous avez exactement le même sujet, sauf que ce petit R, elle était ici. C'est une résistance interne de la bobine. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé la résistance ici et on a laissé la bobine idéale. Et cette fois-ci, c'est le générateur qui est réel. Et vous allez voir. Et bien sûr, on va visualiser la tension au bord de résistance et UPN, la même chose qu'en 2015, mais le comportement de UPN ne va plus être constant. Et on va expliquer pourquoi. Donc voilà, indiquer la courbe associée à la tension U de R et celle à UPN. Vous voyez, rappelez-vous, en 2015, UPN c'était une constante. Alors qu'ici, ça décroît avant de tendre vers la constante. Déterminer le courant en régime permanent. Vérifier que la résistance du conducteur ohmique est 8 ohms. Bien sûr, pour mettre les unités. Indiquer l'équation différentielle vérifiée par le courant I de T, déterminer tau et A pour que ça, cette expression soit solution. Déterminer graphiquement bien sûr la valeur de tau, déduire la valeur de L et déterminer l'énergie emmagasinée à T est égal à tau sur 2. Donc vous voyez pratiquement des questions classiques, sauf que, seule différence, faites très attention, ce qu'on visualise dans cette courbe-là, c'est la tension au bord de la résistance. Et la tension au bord du générateur. Donc avant d'expliquer, de vous donner la solution de ce problème, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un générateur de tension réel, comment il se comporte, et un générateur de tension parfait. Bien, donc voilà un générateur de tension. Donc il peut être lié à des dipôles, peu importe, mais ce que nous intéresse, c'est juste cette tension-là, UPN. Si le générateur est idéal, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne possède pas de résistance interne. Donc voilà comment on le représente. Donc E sans résistance. Donc ça c'est le courant I. Courant I. Bien sûr, parce qu'il sort. C'est ça la flèche qui vous indique le sens
la borne avec laquelle elle sort le courant. Donc cette tension-là, UPN est égal à quoi? UPN est égal à E. Donc si je représente UPN en fonction du courant, c'est une constante. C'est ce qui a été donné à l'examen 2015. Bon, 2016, c'est différent. On va travailler avec un générateur réel, c'est-à-dire il possède une résistance interne. Vous voyez, un générateur qui est en série avec une résistance. Donc ça, bien sûr, c'est le courant électrique. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est un générateur de force électromotrice E et de résistance interne petit R. Maintenant, cette tension-là est égale à quoi? En utilisant la loi d'additivité des tensions, donc UPN est égal à cette tension-là plus celle-là. Donc cette tension-là est égale à combien? Est égale à E. Et maintenant, quoi est égal à cette tension-là? C'est la tension au bord d'une résistance qui est parcourue par un courant I. Je vous laisse une minute de réflexion. C'est égal à quoi? Bon, vous avez dit en grande partie est égal à RI. Et très bien, votre réponse est fausse. D'accord? Pourquoi? Parce que faites attention ici, la flèche est dans le même sens du courant. Donc on est en convention générateur. Et donc cette tension-là, c'est moins RI et non pas plus RI. Et donc UPN, c'est E moins RI. Donc si je trace Y est égal à E moins AX, vous voyez la pente, elle est négative. Donc ce sera une droite qui décroît. D'accord? Donc plus I augmente, plus, bien sûr, cette quantité va diminuer, parce que E, c'est une constante. D'accord? Bien sûr, ça, elle décroît de façon linéaire si on n'a pas de bobine, c'est-à-dire on a juste un générateur qui est lié à des dipôles linéaires. Or, la bobine, c'est un dipôle qui n'est pas linéaire. D'accord? Vous avez la loi d'Ohm, U égale à RI, vous tracez U en fonction de I, c'est une droite qui passe par l'origine. On les appelle un dipôle linéaire. Or, le courant pour une bobine, vous savez bien qu'elle est exponentielle, donc c'est pas linéaire. Donc la décroissance ne sera pas linéaire tout simplement lorsque vous avez une bobine, mais ce sera une courbe qui décroît. Donc vous avez vu maintenant la différence entre un générateur idéal ou parfait et un générateur réel. D'accord? La tension au bord d'un générateur réel diminue lorsque le courant augmente. Elle diminue de façon linéaire lorsque vous avez des dipôles linéaires, mais comme la bobine n'est pas linéaire, le courant il augmente de façon exponentielle, donc moins I va diminuer de façon exponentielle. Et c'est ce qui explique ce comportement. Donc vous voyez maintenant, vous pouvez tout de suite dire, cette tension-là, c'est la tension au bord du générateur, vous voyez, elle décroît avant de tendre vers le régime permanent. Mais nous, on va associer. La tension, bien sûr, au bord du EPN, c'est celle qui est observée sur l'entrée A, et la tension au bord de la résistance, c'est celle observée sur l'entrée B. Pour faire maintenant, pour attribuer, toujours revenir à l'état initial, quand je ferme l'interrupteur, le courant est égal à 0, et c'est la tension au bord de la résistance, c'est R fois I, donc la tension au bord de la résistance, elle est nulle, et bien sûr, C2. C'est la tension au bord de la résistance. D'accord? La courbe enregistrée à l'entrée A est celle qui représente UPN. D'accord? C'est la courbe C1. Et la courbe représentée à l'entrée B est celle qui représente U2R. Donc c'est la courbe C2. Pour lui justifier en disant pourquoi c'est C2 qui représente U2R. Parce qu'à t égale à 0, U2R égale à 0. Bien. Maintenant, on va déterminer. Donc voilà, la seule différence, c'est le comportement de UPN. Vous voyez, hein? En 2015, c'était un générateur parfait, c'est une constante, alors que ici, il décroît, parce que le courant dans un circuit qui contient une bobine augmente de façon exponentielle, donc moins I va diminuer de façon exponentielle. Bien, maintenant le reste, c'est pratiquement les mêmes. Question, déterminer le courant permanent. Donc, on va utiliser bien sûr la tension au bord de U2R en régime permanent. Vous avez U2R est égal à grand R fois IP. Donc, toujours la tension au bord d'une résistance, c'est R fois le courant. En régime permanent, c'est-à-dire dans ce domaine-là, le courant est égal à IP. Vous faites juste la continuité et vous trouvez U2R est égal à 10 volts.
Connaissant la valeur de grand R, on peut déduire bien sûr IP, c'est 10 sur 40, c'est 1 quart, c'est 0,75 ampères. N'oubliez pas les unités, c'est très important. Il y a beaucoup d'élèves qui perdent énormément de notes juste en oubliant les unités. Maintenant, on vous dit de vérifier que la résistance du conducteur ohmique est petit r égale à 8 ohms. Hein, 8 ohms, pourquoi j'oublie l'unité? Vous voyez, moi-même, je l'ai oublié. Donc, toujours, je vous ai dit, à partir de IP, vous pouvez déduire les valeurs de résistance. Donc, en régime permanent, donc là, je vous rappelle juste la tension au bord d'un générateur réel. Vous voyez bien, cette tension-là, UPN, c'est égal à cette tension-là plus celle-là. Donc, c'est E moins RI, parce que la flèche est dans le même sens du courant. Donc, on n'est pas en convention récepteur, on est en convention générateur. Et en convention générateur, la tension au bord de la résistance, c'est moins RI. Faites très attention. Donc, puisque on nous donne UPN en régime permanent, donc UPN en régime permanent, c'est quoi? C'est E moins R fois I permanent. Et d'après la courbe, sa valeur est égale à U de R en régime permanent, est égale à 10. Donc, E moins R fois IP égale à 10. Donc, petit r, on va la calculer. Donc, je ramène 10 de ce côté-là, E moins 10 et R fois IP de l'autre côté. Ensuite, je divise par IP. Je pense que tout le monde peut faire ce calcul facilement. Faites l'application numérique. Donc, E est égal à 12. Faites attention, E c'est 12. Hein. E c'est cette valeur-là. Hein. Même si on ne le donne pas dans l'énoncé, vous pouvez la retrouver. Pourquoi? Parce que si I égale à 0, UPN égale à E. Notez ça très bien. Hein. On n'a pas besoin de vous donner la valeur de E, par exemple, dans l'énoncé. Je peux les déterminer à partir de la courbe. Vous voyez bien que si I égale à 0, ce terme est égal à 0 et UPN égale à E. Donc si I égale à 0, voilà UPN égale à 12. D'accord? Donc 12 moins. Donc petit r, on a dit petit r est égal à E moins 10. Donc E moins 10, donc 12 moins 10 divisé par IP. IP c'est 0,25. Donc tout est dans les unités internationales. Donc petit r égale à 8 ohms. Donc on retrouve bien la valeur qu'on nous dit. Très bien, donc on est content, on peut continuer. Donc déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de t. Bon là c'est très classique, la loi d'additivité des tensions. E moins RI est égal à L fois T de I sur D de T plus grand R fois I. Donc là faites attention, la loi d'additivité des tensions. Faut pas avoir par cœur E est égal à U de R plus U de L. Faites très attention. Hein. Ce n'est pas E est égal à U de R plus U de L, c'est UPN qui est égal à U de R plus U de L. Hein. Voilà U de L. Faites très attention. Faut pas, c'est pour ça, moi j'aime pas là, les élèves qui apprennent par cœur. Hein. Beaucoup, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui proposent des cours, ils apprennent aux élèves à apprendre par cœur. Bon, moi je ne suis pas un enseignant du lycée, j'enseigne à la faculté des sciences et techniques de Marrakech. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent chez moi en première année et quand je leur pose des questions très simples, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et quand je lui demande combien tu as eu en bac, il me dit un 16 ou un 17. Hein. Et en discutant avec lui, et je comprends tout simplement que tout est basé sur l'apprentissage. Ils apprennent par cœur. Non, la physique, les mathématiques, ça ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut les comprendre. Vous comprenez la méthode et on peut donner n'importe quel circuit, vous pouvez sortir la solution. Donc n'apprenez pas par cœur, c'est pas E égale à U de R plus U de L. Faites très attention. C'est cette tension-là au bord de ce dipôle est égale à la tension au bord de ce dipôle plus la tension au bord de ce dipôle. Et s'il y a un autre ici, on va l'ajouter. D'accord? Donc UPN, donc faites attention à ça. Donc UPN est égal à U de R plus U de L. Or UPN, on a dit c'est E moins RI. Est égal à L d de I sur D de T. En fait, on se retrouve toujours avec un générateur parfait, mais la résistance devient celle de la bobine. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Mais on trouve la même forme. Bien. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par le courant. Comme d'habitude, bien sûr, on vous dit de déterminer taux et A pour que ça soit solution, pour que cette expression-là soit solution.
Donc là, j'ai rappelé c'est quoi la dérivée par rapport au temps d'une constante A fois l'exponentielle une autre constante fois B. C'est AB exponentielle B fois T. C'est la seule chose dont vous avez besoin pour déterminer les constantes. Donc vous avez au courant, donc vous les développez de préférence. Donc c'est A moins A exponentielle moins T sur taux. Vous calculez d'abord la dérivée de I par rapport au temps. Ça, on l'a fait plusieurs fois. La dérivée d'une constante, c'est 0. Vous avez A exponentielle B fois T. Donc c'est moins A. Il ne faut pas oublier ce signe moins. Donc c'est moins A multiplié par B qui est moins 1 sur taux. Donc ça vous donne A multiplié par 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Ensuite, on remplace dans l'équation différentielle. On isole tout ce qui est exponentiel. Donc voilà la dérivée. Voilà grand R plus petit r fois i est égal à e. Ensuite, je vais mettre l'exponentielle en facteur. Voilà les termes dans lesquels apparaît l'exponentielle. Il y a ce terme, L fois A sur taux. Voilà. Ensuite, il y a moins grand R plus petit R fois A. Donc voilà, grand R plus petit R. J'ai factorisé par A exponentielle moins T sur taux. Et les constantes, vous avez E et vous avez A facteur de grand R plus petit R. D'accord? Donc plus moins E, je le ramène de l'autre côté pour avoir quelque chose égal à 0. Donc ceci est égal à 0 quel que soit t, ceci ne peut être vrai si et seulement si ce terme est égal à 0 et ce terme est égal à 0. Et donc vous avez directement A est égal à E sur grand R plus petit r et taux est égal à L sur grand R plus petit r. Donc vous avez L sur taux est égal à grand R plus petit r. Donc taux, on permute, ah, d'accord? Taux est égal à L sur grand R plus petit r. Déterminons la valeur de taux. Là aussi, là, la tangente elle est tracée. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser l'autre méthode. Il vaut mieux utiliser la tangente. Donc voilà, Umax, c'est cette valeur-là qui est égale à 10. La tangente à l'origine coupe cette droite-là en ce point. Voilà, en ce point. Vous faites l'abscisse de ce point et ça vous donne 3 quoi, millisecondes. Donc, taux d'après la courbe est égal à 3 millisecondes. Maintenant, ça c'est juste un complément. Pourquoi la tangente à l'origine coupe cette droite-là au point d'abscisse x égale à 3? Peut-être on ne vous a jamais expliqué ceci. Eh bien, c'est très simple. C'est quoi le courant I de t? Bon, je vais le. Je crois le mettre. Voilà, je reviens ici. Voilà le courant I de T. Si je vous pose une question en maths très simple, voilà la courbe f de x et voilà la fonction f de x. Quelle est l'équation de la tangente à cette courbe-là au point x égale à 0? Vous connaissez ça en maths. Y est égal à quoi? Égal à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Ici, x0 égale à 0. X, c'est le temps, et I, c'est ça. Donc, vous calculez la dérivée de ça. La dérivée, c'est E sur taux, facteur de grand R plus petit r fois l'exponentielle. Et si t est égal à 0, il vous donne cette valeur-là. Donc, voilà f' de 0. Fois t moins t0, 0, t0, c'est 0, donc fois t, plus f de 0. Or, si t est égal à 0, vous avez ici I de 0 égale à 0. Donc voilà l'équation de la tangente à la courbe. Voilà cette équation-là. C'est l'équation de cette droite. On peut le démontrer par l'équation de la dérivée. Je répète, vous avez une fonction f de x. Si je vous pose en mathématiques, c'est quoi la. Donnez-moi l'équation de la tangente à cette courbe au point 0. Bien sûr, vous avez appris en maths que y, c'est f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. X0 égale à 0. Donc ici, f de x0, c'est 0. Donc il va vous rester juste f' de x0, facteur de t moins 0. Donc f' de 0 fois t. Or, vous calculez la dérivée de i de t, vous remplacez t par 0, et ça vous donne ce terme-là, fois t, qui est égal à i max. Donc e sur grand R plus petit r, c'est ce qu'on appelait i permanent, ou bien i max, sur taux, fois t. Maintenant, c'est quoi le point d'intersection de cette tangente-là avec la droite y égale à i max? Donc on pose tout simplement y égale à i max. Et vous voyez bien
que si y est égal à imax, ça veut dire t est égal à tau. Donc y est égal à imax, autrement dit ça est égal à imax, si et seulement si t sur tau est égal à 1, autrement dit t est égal à tau. Bien sûr, ça on ne vous demande pas de le faire, mais là, je vous explique toujours, tout simplement, pourquoi on vous dit que la tangente à l'origine coupe la droite y égale à ip, i permanent, en un point d'abscisse tau. Donc vous vous dites juste d'après la courbe, graphiquement, tau égale à 3 millisecondes. On continue, déterminer la valeur de L, bien sûr, si on connaît tau classique maintenant, tau est égal à L sur grand R plus petit r, vous faites l'application numérique, faites très attention à ne pas oublier, je le répète, ne pas oublier le temps de le transformer en millisecondes et bien sûr l'unité de H, c'est l'Henri. Dernière question, on vous demande de déterminer l'énergie emmagasinée dans la bobine à un instant T donné. Bon, j'ai déjà expliqué ceci, il suffit de, puisqu'on connaît L, il suffit d'avoir un moyen de déterminer le courant à l'instant T est égal à tau sur 2. Donc, vous allez dans la courbe, T, tau c'est 3 millisecondes, vous cherchez la moitié de 3, c'est 1,5, c'est ici. Donc voilà, 1,5. Et vous faites projection sur la courbe, 1,5, voilà. Ça coupe le point en ce point. Et en ce point, vous avez bien U de R égale à combien? À 4. Donc j'ai U de R égale à 4. U de R égale à 4 volts. Or, U de R, c'est R fois I. Donc je peux déterminer I. Parce qu'ici, il m'intéresse, c'est le courant. Donc d'après la courbe, je détermine U de R à T est égal à tau sur 2. Et si je connais U de R, bien sûr, je connais I. Donc I égale à U de R sur R. Donc U de M, c'est 1 demi L fois I carré. Je fais l'application numérique et je trouve 0,72 fois 10 moins 3 joules ou bien 0,72 joules. Donc voilà pour ces deux sujets-là où il y a des choses qui me paraissent intéressantes. Donc nous avons vu surtout la différence entre un générateur de tension réel et un générateur de tension parfait. Et faites attention à ce qu'on vous demande de représenter. Ce n'est pas toujours la tension au bord de la résistance et la tension au bord de la bobine. Ça peut être la tension au bord du générateur et la tension au bord de la bobine. Ou bien la tension entre la bobine, au bord de la bobine, au bord de la résistance. Donc voilà, j'espère avec ces trois vidéos que j'ai traitées, où j'ai consacré au circuit IRL, je suis sûr que si vous avez visualisé les trois vidéos, vous n'aurez aucun problème à étudier n'importe quel circuit RL qu'on vous proposera au baccalauréat. Donc j'ai fait tous les sujets sur le circuit RC, tous les sujets sur le circuit RL, et bien sûr, le circuit RLC, vous avez juste un mélange des deux, donc on va les traiter prochainement. Mais si vous avez bien compris RCRL, RLC, c'est juste une application. Donc voilà, bonne préparation. Partagez la vidéo au maximum avec vos amis. Bon, je vois que les vidéos ne sont pas vues par un grand nombre d'élèves. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas accès. J'espère que vous allez aider vos camarades aussi à regarder ces vidéos-là. Bien sûr, s'ils les trouvent intéressants. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouveautés. Bon courage et à très bientôt.